Signe de soleil, signe de lune, ascendant scorpion. La conjonction de Jupiter et Uranus à 21 degrés du taureau actif pour une période de 14 ans va se produire dans votre maison 7. La maison 7 représente tout ce qui est partenariat. Mariage, copain, fiancé, c'est-à-dire partenariat avec les amis. C'est aussi la maison des ennemis. Donc ça concerne cette maison-là. Ça concerne aussi tout ce qui a un rapport avec le tribunal et tout ça. La conjonction de Jupiter et Uranus va vous ramener un changement soudain au niveau du relationnel. Ça pourrait être un couple qui ne marchait pas et qui se met à bien s'entendre maintenant, c'est-à-dire faire quelque chose, une transformation dans cette relation-là. Ça pourrait être aussi des cassures qui pourront surgir dans la vie de certains. Parce que rappelons-nous que quand l'univers nous donne des challenges, des fois, c'est pour de l'évolution de notre âme. Il y a des couples, des fois, qui peuvent être ensemble ou des partenaires en business qui deviennent toxiques, en fait. L'univers leur a réservé quelque chose de meilleur à l'avenir, mais le fait qu'ils sont habitués et qu'ils ne veulent pas se séparer, ça fait qu'ils sont chacun en train de stagner dans l'évolution de leur âme ou dans l'évolution pour leur propre bien-être, en fait. Et donc, à ce moment-là, quand il y a ce genre de conjonction, hein, ça vient chambouler tout pour quelque chose de meilleur. Des fois, quand il nous arrive des mauvaises choses, si on réfléchit bien, on va se rendre compte que quelques années après ou quelques mois après, on remercie pourquoi cet événement est arrivé, en fait. Parce que ça ramène toujours quelque chose de nouveau. Peu importe ce qui va arriver, c'est quelque chose qui va vous libérer. Parce que Jupiter n'est pas une planète méchante, c'est une planète bénéfique, en fait. Donc, c'est un scénario qui va arriver, qui va vous libérer. Vous allez dire, ah, enfin, Dieu merci, genre, je suis libéré. Ou c'est les deux parties qui sont contents, quelque part. Voilà. Donc, pour la maison 8, le conseil qui est donné, vu que ça concerne les couples, en fait, de prendre des jours où chacun se met dans son côté, surtout si c'est un couple qui a des tensions, vous essayez de réfléchir, de trouver des nouveaux départs, en fait, d'essayer de transformer votre couple et aller en vacances ensemble, essayer de cuisiner ensemble, de mettre un renouvellement, quoi, un peu de punch. Je ne suis pas conseillère en relation, mais je parle, en fait, des énergies de Uranus et Jupiter dans la maison 7 pour les ascendants scorpion et lune en scorpion. Vous pouvez essayer aussi de changer, si vous avez les moyens, de changer les fournitures de votre chambre ou de changer l'emplacement de la chambre. C'est-à-dire mettre un changement, quelque chose de nouveau dans votre chambre pour essayer un peu de mouver ces énergies-là, quoi. Changer le décor de la chambre, cuisiner ensemble de temps en temps, essayer d'explorer ensemble des choses spirituelles, aller par exemple à un séminaire spirituel, quelque chose du genre. Pourquoi spirituel? Parce qu'il s'agit de Jupiter et aussi Uranus, parce que Uranus aussi c'est une planète, c'est la planète de l'éveil spirituel. Donc et la maison 7 c'est le couple. Une chose est sûre, c'est pour le bien de tous. Voilà pour les scorpions. Maintenant on va passer au signe du Sagittaire. Donc, Jupiter et Uranus. Pour les Sagittaires, ascendant, lune et signe de soleil. La conjonction du 20 avril 2024 à 21 degrés du taureau, actif pour une période de 14 ans, va se produire dans votre maison 6. La maison 6 représente le travail, la santé,
tout ce qui est routinier, votre manière de prendre soin de vous, mode de vie, comment vous le rendez sain. Donc vous allez avoir des changements choquants et radicaux sur votre santé. Donc essayez de faire attention à votre régime alimentaire. Il y a des personnes qui vont se retrouver aussi à vouloir aller à la gym pour essayer d'entretenir son corps. Il y a des personnes qui vont vouloir se mettre à faire de la méditation pour son bien-être. Il y a des personnes aussi qui vont changer radicalement leur attitude au travail ou ou les choses quotidiennes qu'ils ont l'habitude de faire. On va donner un petit exemple. Une personne qui a l'habitude de se réveiller à 6 heures du matin, qui va commencer à se réveiller à 8 heures. Et les choses vont un peu changer dans tout ce qui est routinier. On pourrait trouver des personnes aussi qui vont trouver une guérison sur une maladie qu'ils avaient depuis longtemps. Guérison soudaine, choquante. Ou des personnes, par exemple, qui sont en train d'abuser de leur corps par de l'alcool ou des drogues et qui vont avoir des alertes. Alerte, 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 alerte. Où tu te retrouves à l'hôpital et on te dit que ah là il faut arrêter de faire ça sinon ça va ramener ça. Donc si vous vous retrouvez face à ce genre de situation, devinez que c'est l'univers qui est en train de vous donner un warning, c'est-à-dire une alerte d'arrêter, parce que on a encore besoin de vous ici sur Terre afin de continuer l'évolution de votre âme. Donc au lieu de détruire votre temple, il faut arrêter. Et c'est comme ça que ces scénarios-là se produisent, en fait. Voilà la beauté de l'astrologie. Les gens qui viennent interpréter à dire que oui, c'est démoniaque ou quoi. Je ne vois pas ce que j'ai dit là qu'il y a de démoniaque. Toute chose a deux côtés, le bon et le mauvais. Il y a des gens qui peuvent utiliser l'astrologie pour manipuler les gens. Mais comme je crois au karma, et donc je ne sais pas quel karma encore je veux peut-être payer de mes vies antérieures que j'ai déjà, qui doivent être absolument payées. Pourquoi je vais encore venir me rajouter des karmas? Parce que quand tu utilises ce genre de science spirituelle, que c'est de dérouter les gens, le karma, il tombe sur toi. Voilà. Il faut arrêter de tomber, wesh. Arrête de tomber. On a presque fini. Il reste encore trois signes, je pense. Voilà, donc maintenant, on va passer au signe du Capricorne. Ascendant Capricorne, signe de Capricorne, lune en Capricorne. La conjonction du 20 avril 2024 à 21 degrés du taureau de Jupiter et Uranus, active pour une période de 14 ans, va se produire dans votre maison 5. La maison 5 est la maison de la créativité. Ça représente vos enfants, ça représente vos loisirs, la romance, ainsi que la fertilité. Donc, pour les personnes qui vont avoir cette conjonction dans leur maison 5, vous pourrez vous retrouver à avoir un boost de créativité. On va prendre un exemple pour ceux qui sont dans l'art, de réaliser les meilleures œuvres d'art. Pour ceux qui sont dans la danse, de créer un nouveau style de danse, par exemple. C'est-à-dire, votre créativité va increase, ça va augmenter. Pour ce qui concerne la romance, pour ceux qui n'ont pas de partenaire, il serait possible que vous rencontrez votre âme sœur ou un partenaire qui sera avec vous pour la vie ou pour une longue durée ou pour une période donnée. Et cette personne, cette rencontre pourrait se faire dans un restaurant, dans un milieu de loisirs. Parce que la maison 5 représente aussi le loisir. Donc si jamais vous êtes une personne qui n'aime pas sortir, donnez-vous des chances de socialiser, d'aller à des fêtes, d'aller dans des rencontres, dans des milieux publics. Et pour augmenter les chances de pouvoir rencontrer un partenaire. Voilà. Et aussi pour les personnes qui ont des difficultés pour avoir des enfants, pourraient se retrouver avec un miracle à tomber enceinte, parce que Jupiter ramène toujours des cadeaux et c'est la planète des miracles, et Uranus c'est la planète des choses soudaines, les choses auxquelles on ne s'attend pas. Donc voilà, ça c'est ce genre de scénario qui pourrait se produire dans la maison 5. Concernant les jeux, vu que c'est la maison aussi qui représente les jeux de gambling, les jeux de hasard, essayez d'acheter un ticket de loto, vous avez beaucoup de chances de gagner. Je n'ai pas dit que vous allez forcément gagner, mais vous avez toutes les chances de gagner. Parce que c'est cette maison-là, en fait, qui s'active en général
quand les gens gagnent des gains. La maison 11 ou la maison 5 ou des aspects sur ces deux maisons-là. Voilà. Cette conjonction aussi pourrait vous apporter des changements imprévus qui va vous pousser à sortir de votre zone de confort. Donc, ça veut dire que pour une personne, par exemple, qui n'aime pas se socialiser avec les gens, va se retrouver soudainement avoir envie de socialiser, de sortir. Maintenant, ce qui concerne la romance, il y a des personnes qui vont vouloir, qui vont ressentir ce besoin de liberté, de se sentir un peu plus libre dans son couple. Parce que Uranus représente la liberté. Et donc, s'il y a une personne qui a ce transit dans sa maison 5, qui se sent un peu confinée dans sa relation, il pourrait retrouver des envies de vouloir se sentir libre. Pas de casse avec la personne, mais d'avoir un peu plus d'espace, en fait, dans cette relation-là. Il pourrait aussi avoir un événement inattendu qui va se produire dans la vie d'un de vos enfants ou de vos enfants. Ou soit c'est vous qui va changer votre manière d'éduquer vos enfants. Et voilà. On va passer à l'ascendant Verseau, signe de Verseau et lune en Verseau. La conjonction du 21 avril 2024 à 21 degrés du taureau active pour une période de 14 ans va se produire dans votre maison 4. La maison 4 représente vos racines, ça représente votre famille, le foyer dans lequel vous habitez, c'est-à-dire votre maison résidentielle. Ça représente aussi la base de vos émotions qui a permis de former votre identité et la maison où vous avez grandi et tout ça. Et ça représente aussi vos émotions profondes. Donc pour les personnes qui vont avoir cette maison 4 activée, vous vous trouverez face à des situations où vous pourrez déménager de là où vous habitez pour aller dans quelque chose de plus grand ou avoir une envie soudaine de changer le décor de là où vous habitez. Ça pourrait ramener aussi des naissances dans la famille, des mariages ou des rencontres familiales inattendues. Cette conjonction pourrait aussi vous donner le désir de vouloir élargir votre famille. Ça pourrait aussi vous donner une envie soudaine d'aller voir votre maman dans son pays, dans votre pays d'origine, si vous êtes des personnes qui habitent dans la diaspora. Ça pourrait aussi vous ramener une envie soudaine pour ceux qui ont les moyens de vouloir acheter un bien immobilier, une maison, des terres ou un appartement. Et pour ceux qui n'ont pas les moyens, pourraient avoir ce désir-là. Et si ce désir est vraiment fort, l'univers va vous mettre face à des situations qui pourraient vous ramener à la langue, à pouvoir accomplir ce désir-là. Voilà. Et aussi, ça peut apporter aussi des naissances dans la famille, des mariages ou des rencontres inattendues familiales. Ça pourrait vous donner une envie aussi de vouloir étudier l'histoire de votre famille, votre arbre généalogique ou la culture de votre famille pour ceux qui sont un peu déconnectés des cultures de leur famille, surtout pour les enfants par exemple qui naissent dans la diaspora, qui n'ont aucun lien avec leur pays natal, pourraient se retrouver à avoir des envies soudaines de vouloir apprendre ces choses-là. Je veux encore vous rappeler que c'est une énergie très puissante et Uranus, c'est la planète qui gouverne le signe du Verseau. C'était juste un rappel. Et donc, les yeux sont sur vous, hein, les Verseaux, c'est l'ère du Verseau. Vous avez toutes les chances de catapulter, de changer votre vie ou de l'idée, de nous l'idée. Voilà, ou pour toutes les personnes qui ont beaucoup d'énergie de Verseau ou de Uranus dans leur thème astral. Voilà. Donc maintenant, on va passer au signe du poisson. Ascendant poisson, signe de poisson, lune en poisson. La conjonction du 20 avril 2024 à 21 degrés du taureau, active pour une période de 14 ans, va se produire dans votre maison 3. La maison 3 représente la communication, votre manière d'apprendre. Ça représente votre environnement proche. Vos frères et sœurs, vos cousins, cousines, c'est-à-dire la famille élargie, les voyages de courte durée. Ça pourrait vous apporter une envie de vouloir s'éduquer sur certains sujets qui va élargir vos perspectives. Ça pourrait aussi vous inspirer à vouloir élargir votre
champ de communication. Donc, ça pourrait vous appeler à rencontrer des nouvelles personnes avec lesquelles vous allez partager des mêmes idées, à vouloir écrire un livre, à vouloir créer un réseau social ou créer un blog ou devenir youtubeur, quelque chose du genre qui a un rapport avec les réseaux sociaux. Ça pourrait vous apporter aussi à apprendre la spiritualité parce que la maison 3, c'est la maison qui est en face de la maison 9. Donc, c'est le même axe en fait de l'apprentissage. Sauf que la maison 9, c'est l'apprentissage supérieur. Et la maison 3, c'est l'apprentissage basique. Voilà. Donc, ça pourrait vous donner une envie aussi de vouloir apprendre des sujets spirituels. Pourquoi spirituel? Parce que Jupiter représente la spiritualité et la religion et tout ça. Ça pourrait aussi vous donner une envie de vous procurer de certains objets technologiques qui vont vous permettre, qui vont vous aider dans votre éducation. Voilà. Ça pourrait aussi vous motiver ou vous inspirer à faire quelque chose avec vos mains, parce que les mains sont gouvernées par la maison 3. Et comme le poisson est un signe très imaginatif et créatif, vous pourrez vous retrouver à commencer à faire quelque chose avec les mains, genre peindre ou créer quelque chose avec les mains. Voilà, ça aussi c'est une possibilité dans le scénario des poissons ascendant poisson ou lune en poisson. Ce transit, je veux vous rappeler, est un transit qui va nous apporter beaucoup d'opportunités. Et je veux juste vous rappeler, peu importe les scénarios qui vont se produire, si un scénario se produit et que vous le jugez comme un scénario négatif, soyez-en sûr, c'est pour que ça puisse vous ramener là où vous êtes censé être en fait, qui est quelque chose de positif, voilà. Quand on a des choses qu'on perçoit comme négatives qui nous arrivent, c'est toujours pour nous ramener quelque part de meilleur après. Quand on regarde en arrière, on se rend compte que la galère qui nous était arrivée nous a pris ça et maintenant on se trouve là où on est. Voilà. Maintenant, on va passer au dernier signe, le premier signe qui est le dernier aujourd'hui, le signe du bélier. Hein? Vous avez eu une éclipse déjà dans votre signe du zodiaque qui était très 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 puissante. Hein? Tout ce qui s'était activé le jour de l'éclipse sont actives pour une période de 6 mois. Et selon les calculs d'autres astrologues, ils disent que c'est sur une période de 2 ans. Donc le bélier... Cette conjonction va se passer dans votre maison 2. La maison 2 est la maison de vos finances personnelles, de vos valeurs, de vos biens, vos possessions matérielles et aussi votre self-esteem, votre estime de soi. Cette conjonction de Jupiter et Uranus pourrait vous ramener un boost au niveau de votre confiance en soi. Bon, c'est pas ce qui manque aux béliers, mais bon, il y a des béliers qui sont shy, timides, et qui pourraient se retrouver soudainement à avoir cette assurance de soi. Ça, c'est ce que Uranus pourrait apporter dans les béliers ascendant bélier ou lune en bélier qui ont un manque d'assurance. Voilà. Donc, ça pourrait aussi vous apporter une augmentation de vos gains. Donc, c'est votre salaire qui pourrait augmenter soudainement ou vous allez avoir une envie d'augmenter vos finances, de créer un business. Parce que pour augmenter les finances, quand on a un salaire, c'est chercher à faire quelque chose à côté, en fait. Voilà. Donc, c'est ce genre d'envie que vous allez avoir. Et aussi, ce que je peux vous recommander, vu que ça représente les biens matériels, les possessions et tout, si vous avez beaucoup de possessions dans votre maison qui ne vous servent à rien ou des habits depuis des années que vous n'avez pas porté qui vous servent à rien, essayez de les trier, faites le ménage dans la maison, débarrassez-vous de ce qui ne vous sert pas afin de libérer les énergies parce que l'univers est toujours prêt à nous donner beaucoup de choses et des fois c'est parce qu'on est stock, c'est parce qu'on est bloqué dans certaines choses et une fois qu'on débloque, on laisse de l'espace pour faire rentrer ce qu'on appelle des bénédictions, des blessings. Voilà, donc c'est ce que je vous recommande de faire le ménage dans la maison, de donner ça en donation ou j'en sais rien. Ne pas jeter, préférable de donner à la Croix-Rouge ou
ce genre de truc, ce genre d'organisation, pardon. Et aussi, pour ceux qui ont fait des investissements, pourraient se retrouver avec des gros gains. Pour les personnes aussi qui sont propriétaires de business, pourraient se retrouver avec une augmentation de chiffre d'affaires ou des opportunités de gagner de l'argent pour certains, pour d'autres, changer de travail ou vous pouvez imaginer tout ce qui peut avoir un rapport avec, avec la maison 2. Maintenant, concernant le self-esteem, pour les personnes qui ont un manque d'assurance, ça dépend de comment ça va les prendre, on ne peut pas juger. Quelques personnes pourraient avoir recours à la chirurgie esthétique pour modifier quelque chose en eux qui les complexe depuis longtemps. Ou aller faire du sport pour build un peu son corps, parce que l'eau et le bélier, c'est tout ce qui représente le corps. Et donc, on va retrouver aussi des natifs de bélier à se retrouver à la gym, essayer de changer leur apparence physique. Voilà. Donc, on est arrivé à la fin de notre vidéo. J'espère que je n'ai pas oublié un signe. Conclusion, je sais que j'ai donné beaucoup d'informations. Ça prend du temps pour assimiler ça. Donc, je vous conseille de venir regarder de temps en temps. Si vous avez déjà des événements qui se sont produits dans cette maison-là, parce que avant que Jupiter approche Uranus, il avait déjà enclenché ces énergies-là. Donc, ce que je suis en train de dire, il y en a qui sont déjà en train de le vivre, en fait. Il y en a qui ont déjà commencé à le vivre depuis que Jupiter était rentré dans le signe du taureau, parce que Uranus est dans taureau depuis quelques années. Et Jupiter ne dure que un an. Si vous avez vécu déjà ce genre de scénario dans la maison que j'ai décrit de vos signes, venez commenter et nous dire comment ça s'est passé. Si vous ne vous, si vous voulez, voulez faire un commentaire anonyme, changer d'email, venez commenter s'il vous plaît. Ça va aider aussi les autres. C'est comme une communauté en fait. C'est comme ça que l'astrologie nous aide. L'astrologie peut t'aider en fait à manifester des choses parce que tu sais déjà à l'avance quelle planète qui transite telle maison. Si c'est un challenge qui va arriver, comment tu peux arriver à naviguer le challenge? Ça nous aide sur beaucoup de choses. Tout ce qui se passe dans le monde tourne autour de l'astrologie. Que ce soit un mariage, une naissance, que ce soit une augmentation de salaire, une rupture ou une rencontre amoureuse. Tout se passe dans les thèmes astrales. Donc, ceci dit, je vous dis merci infiniment de m'avoir écouté. N'oubliez pas de partager, liker et commenter. God bless you all and love you all. Peace.